Notre histoire débutait une fois encore. Allons, du calme, mon grand. Plus un bruit. C'est une bibliothèque, après tout. Une souris. Ainsi, je ne suis pas seule ici. Talisman. Il pleut. Pas d'aventure nocturne aujourd'hui. La chambre forte de la bibliothèque et la carte au trésor sont proches. Oh, j'aurais dû demander à un de ces nouveaux chevaliers de garder les lieux la nuit. Mais ils me font un peu peur. Ils ne dorment, ni ne pensent, ni ne mangent. Et comment sauraient-ils prendre soin de nos livres ? De nouveaux chevaliers ? J'y suis presque. Zoya n'avait pas l'habitude de ne pas parvenir à ses fins. Semble dangereux. Je devrais faire attention si j'en croise.
Quelqu'un avait maille à partir avec cette vieille tombe. Elle a été réduite en sable. Quel étrange sable. On ne dirait pas le résultat d'une boule de feu. Ou d'une boule de... Comment dit-on ? De glace ? Non. Une boule de neige ? Non. C'est... Je me demande si un magicien a ensorcelé cette boîte. Rien ne se passe. C'est si gentil. Il porte des fleurs et des bougies à sa manière. Et des dessins. Mais toutes ces lignes et ces cercles sont un peu trop modernes à mon goût. Voyons si je trouve mon malfaiteur dans ces ruines. Mon fidèle bouclier, c'est pratique. Il ne reste plus que l'arrière du cimetière à inspecter. Squelette, c'est plus... Amadeus le magicien ne vit... Oh, cet endroit est merveilleux. Mais il est temps que je rentre. Adieu, buffet.
Oups! Pardon. Désolé, désolé. J'y serai plus vite si je prends un raccourci. Là, par-dessus la montagne. Ce raccourci me fait gagner du temps, mais il est plus éprouvant. Pas mal! Attendez de voir mon spectacle d'invocation à 6 heures. Bonté divine! Ce n'était que du savon! J'espère que ce serpent n'est là que pour le spa. Ah, la réception est juste là. Amadeus, Pontius et Zoya se retrouvèrent à l'académie. Zoya ? T'es vraiment sans trouble ? Toi qui es toujours si impeccable d'habitude. Il m'est arrivé une mésaventure en venant ici. On dirait que c'est ici. Et pas d'invité. Mais il y a du gâteau. Pourquoi est-ce aussi long? Chevalier, attrapez-les! Aurore, en chasse! Vous voilà!
Je n'arrive pas à croire. Bonjour, monsieur. Madame. Que se passe-t-il ici? Cette magie est normale? Je ne sais pas. C'est peut-être un étudiant qui a raté son examen de potion. Merci. Attention à ces malandrins en fer blanc. Alors. Chevalier, protégez-moi de ces fourmis. Renoncez, Dame Aurore. Nous vous... Désemparée à la suite des révélations. Oh, qu'allons-nous bien pouvoir faire? L'heure est grave, très grave. Nous allons rejoindre le château et informer le conseil que Dame Valcouronne est devenue folle et dangereuse. Un baril rempli d'explosifs. J'espère que c'était le seul chevalier mécanique aussi. Académie astrale. Hé, attendez un peu. J'ai un... Pontius s'aventura dans les bois et découvrit quelque chose de curieux.
un chemin caché traversant le plateau rocheux. Voyons où cela nous mène. Voilà un endroit bien intéressant. La situation est grave, mais pas désespérée. Les chevaliers méchants. Nous devons passer par la route rouge avant de rejoindre la route. Il faut la meilleure cuisine du royaume après celle du château. L'héros de Trine. J'espère qu'ils ont des plats à emporter. On est un peu pressés. Allons les aider. Amadeus, Pontius et Zoï. L'Académie Passons par les ruelles pour atteindre le château sans attirer trop d'attention. Les gens du coin ne risquent pas de nous agresser. Uniquement si tu leur parles comme ça. C'est bien le raccourci louche que prendrait un voleur. Les chevaliers mécaniques se cantonnent aux rues principales. Jusque-là, ça va. Allons dans la...
Ne bougez pas, je dois aller vérifier un truc. Zoya avait remarqué un message à son attention laissé par ses associés. La guilde des entrepreneurs semblait avoir des projets pour notre voleuse. Les héros de Trine ont réduit l'Académie Astrale en cendres. Ce n'est plus qu'un tas de poussière abandonné aux éléments. Ah, c'est surprenant que ce soit pas arrivé plus tôt. Tiens, tiens, tiens. La guilde est étrangement généreuse ce soir. Ces flèches ont du ressort. De retour. J'espère que tu... J'ai entendu dire qu'Amadeus le magicien a invoqué une boule en acier pour détruire l'Académie Astra. C'est la grille qui a épousé la propriétaire des produits arcaniques de Margaret. Les gens comme lui n'ont pas leur place dans un petit royaume. Il paraît que sa barbe est fausse. La ville a tellement évolué ces 10 dernières années. On la reconnaît à peine. C'est grâce au pouvoir de Trine que nous avons protégé cet endroit. Tout le monde veut tirer profit des... Ça ne ressemble pas du tout au héros de Trine. Ça doit être une erreur. Le château royal n'abritait plus ni roi ni... Direction la salle du conseil. Il va falloir rentrer et traverser tout le château d'abord.
foule remplissent les petits animaux. Brains. C'est de la matière anti-lévitation. Un Némésis. Intéressant. Comme si on avait voulu ralentir un magicien capable de léviter. Qu'est-ce donc ? Un puits magique ? Vous sentez ça ? Les cuisines royales ! Il faudra nous y rendre une fois notre quête achevée. Quelle odeur divine ! Aurore est mentionnée sur cette tapisserie. Dame Aurore Hydrangée Argenia Valcourt. L'armurerie est à côté. Peut-être y trouve. Amadeus se retrouva bientôt dans la partie de l'armurerie où étaient gardées les armes et armures magiques. Une armure, ce n'est pas vraiment mon style. Ah, encore ce machin. Voilà qui serait pratique. Un magicien doit savoir maîtriser ses boules en acier. Et pas le vide. Mais tes mains sont absolument vides. Voyons ce que tu as là. Thank you.
Sortie du mode logistique. Activation du mode combat. Brain. Suivant les conseils du seigneur Gott. D'où viennent ces chevaliers mécaniques, au juste? C'est le conseil qui avait décidé d'avoir recours à eux. Les vrais chevaliers ont été envoyés au bastion de l'espoir. Mais qui a construit les chevaliers mécaniques? J'ai du mal à imaginer Aurore mettre les mains dans le cambouis. C'est une bonne question. D'un enchantement de lévitation, mon ami. Très rudimentaire, évidemment. Pas de nature. Regardez, c'est un puissant magicien. Les héros de Trine! Mais qu'est-ce qu'ils font? Amadeus invoque une boîte! Bonjour! C'est bien moi, le splendide magicien des boîtes.
n'est pas encore fini. Étrange, il ne fuit pas d'habitude. Manque d'éthique. Ah, leur buffet et leur boisson tropicale me manquent. Enemies. Brains. Des aimants. Ouf, il n'attire pas mon armure. Ces couloirs deviennent de plus en plus tortueux, on dirait. Pour une aventure, celle-ci était particulièrement courte. Heureusement, j'ai une carte au trésor qui m'attend. Ça me laissera le temps d'aller embrasser les triplés. Du calme, vous deux. Finissons-en ici d'abord.
C'est une tour très élaborée. La bâtir a pris des années. Comme pour l'escalader. Ensemble maintenant. Ils ne peuvent pas nous vaincre. J'aime ton optimisme, Pontus. Oh, les petits morceaux se sont unis pour faire un gros truc. C'est fascinant quand on y réfléchit. Pourquoi vous admirez cette chose? Elle est si bien tuée. Bonté divine, bonté divine. Ce n'est pas ce qui était prévu. Et si j'ai fait ça? Qui va là? J'étais à la bibliothèque. Derrière le mur, il y a un passage secret. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Je pensais pouvoir vous atteindre, mais j'ai ouvert quelque chose d'autre. Qui est-ce? Je ne la connais pas du tout. Quelqu'un qui n'avait pas la même vision des bibliothèques que moi. Très bien. Voyons où elle nous conduit. Cet endroit ne m'emplit pas de confiance. Oh, comment va-t-on réussir à traverser ces ténèbres? En allant tout droit. Allez. C'était un changement de rythme intéressant. Les squelettes ont toujours été si repoussants. Drôle d'idée d'avoir entreposé des barils explosifs dans ce trou. Drôle, comme dans « On va tous exploser si on les allume d'un coup ». Il ne faut pas mourir comme un rat au barbecue ici. «
Cher compagnon, veuillez m'excuser. Ils débordent d'enthousiasme. Ils s'en remettront. Allons voir ces flèches. Tu devras traverser quelques puits. Dis-moi, tu comptes pas me retirer dessus? Ce sera pas du tout un problème, je te rassure. Tu m'aides présenter ton pouvoir. Je pensais que tu ne risquais rien. Oh, c'est rien. Cette statue ressemble à une araignée géante. La dernière que j'ai vue n'était pas vraiment charmante. Bonjour, mes mignonnes. J'ai d'autres flèches. Vous avez vu ça? Oh, plus de monstres dangereux dans les ténèbres. Quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui va nous aider. Dû devenir plombier. Amadeus le plombier. Ça sonne bien. Je veux bien t'accompagner pour cette fois. Je crois que la chevalerie, salut, c'est fini pour moi. Pauvre bien. Tu réfléchiras à ta reconversion professionnelle quand on aura vaincu Aurore. Léger, oublié dans les ténèbres. D'accord. Vous voulez pas, je sais pas, essayer d'avoir des pensées moins morbides? Attendez. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je ne peux pas abandonner mes enfants. Tu peux rien pour eux, enfermés au fond d'un cachot. Pontius, aide-moi un peu. J'imagine. Écoutez, il faut... Il faut continuer. Thank you.
C'est qui, ce gamin, encore? Encore un malfaiteur en maraude. Allons, sortons de ce donjon. Comment connaissais-tu ces donjons? Quand la bibliothèque a été changée en sable, j'ai trouvé beaucoup de documents secrets enfermés dans une salle cachée. Y compris les plans originaux des cachots. Pourquoi tu nous aides? Tout d'abord, dans ma bibliothèque, je suis au chômage. Ensuite, je ne crois pas que ce soit avait un rapport avec les épisodes. Laisse-moi deviner, c'est elle qui a décidé de remplacer les chevaliers par ces horribles automates. Exactement. Quand le gang des rats s'est emparé des rues, les chevaliers n'ont pas pu les arrêter. Dame Aurore a suggéré que ces serviteurs mécaniques... Ravie de vous rencontrer enfin. Ils ne dorment pas. Livrés à eux-mêmes, nos trois héros allaient... L'air n'est pas de la première fraîcheur. Ça fera l'affaire. Si, si par tunnel servait à cet contrebandier. Évasion. Ils ont dû entreposer quelques... Ce n'est pas très héroïque. À quoi bon partir à la chasse au trésor? Nous sommes des criminels recherchés. Je suis une criminelle recherchée dans plusieurs royaumes. Ce n'est pas exactement une nouveauté pour moi. On est encore sur Terre? Ou sous Terre? Peu importe, c'est magnifique. Oh, étrange, ces vaisseaux sous-marins. Pontius, on peut pas errer dans ces tunnels toute notre vie. Il nous faut un plan. Aucun plan ne ramènera notre ville et notre royaume. L'Académie Astrale est détruite. Nous n'avons pas d'alliés. On ne pourra jamais rentrer. Et les triplés? Ces monstres ont capturé tes enfants. Écoutez, que peut-on y faire? J'aurais dû emporter mon maillot de bain. Vous vous souvenez quand on chevauchait des bulles dans les marais?
endroit me semble familier. On a déjà vu cette ville. Il y avait aussi un château sous l'eau ici. Mais oui, avec un cœur maudit. C'était le bon vieux temps. Des choses intéressantes au fond de la mer. Qu'on retrouve de la terre ferme sous l'eau. Comment manœuvrer ce sous-marin ? Ça n'était pas au cursus de l'Académie Astrale. Je refuse d'aller dans cette bassine. Ça a l'air dangereux. Ne nous poursuit plus.
quittant enfin les tunnels des contrebandiers. Des grottes pleines de gemmes. Si la situation n'était pas ce qu'elle est, je ne dirais pas non à un petit détour dans cette caverne au trésor. Promène-toi à ta guise, alors. Regarde, Amadeus, un aimant. C'est pas comme si on pouvait sauver le royaume. Oh, non. Nous devons aller de l'avant. Héroïque des rats, comme les grands héros, sont précieux gemmes. Au regard de la loi, c'est peut-être leur grotte, et donc leur gemme. Si on les rencontre, on leur expliquera qu'on ne veut pas les voler, et qu'on leur souhaite bonne chance. Ah, ça marche super avec des gangsters armés qui tapent d'abord et posent des questions ensuite. Tu veux pas aller voir ce qu'il y a là en bas ? Quoi ? Plus d'aventures te feraient pas de mal. Maintenant, alors que tout le royaume est parti en fumée. Magique. Voilà que je suis deux. Voyons voir ce bidule en action. Le nouveau Pontus est bien calme, non ? Le butin était facile dans la ville des humains. Pourquoi revenir se casser les chines ici ? Cette bourgeoise de Tamoror a dit qu'elle avait plus besoin de nous. Elle a ses chevaliers pour Vous s'occuper. Avez entendu ce que disaient les rats avant ? C'est Tamoror qui les a fait venir. Ce n'est pas très civique. C'est ainsi qu'elle a imposé les chevaliers mécaniques. Elle doit prévoir son coup depuis des années. Amadeus, tu n'as pas une fois évoqué Margaret. Tu ne devrais pas prévenir ta femme que tu es en vie et que vos enfants ont été enlevés ? Eh bien, techniquement, Margaret veut qu'on vive pas ensemble, pour le moment. Je ne sais pas si elle veut de mes nouvelles.
petit bout pour les rames. Des hordes de rats pour sortir de cette grotte? Non. Je veux en entendre plus sur Amadeus et Margaret. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que Margaret apprenne en plus que les triplés ont des ennuis à cause de moi. Mais c'est la faute de Damoror! Pas sûr que Margaret le pense. Enfin sorti des tunnels. Oh, de l'air frais. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Au cours de leur expédition dans les tunnels... Je dois vous dire, ces gens à l'observatoire, ils ne sont pas comme les magiciens que vous connaissiez à l'Académie. Donc ce n'est pas des snobs avec un sentiment de supériorité. Regardez ça. Non. On dirait que tout le royaume n'est pas encore... Disons que ces trois-là ont leur raison pour s'être exilés ici. Dans l'observatoire. Ils sont retenus prisonniers? Pas du tout. Je dis simplement qu'il faudra être prudent. Hein? On ne va quand même pas voir des gens qui sont pires que Damoror. Pas du tout. Ils ne sont pas très populaires, c'est tout. C'est un endroit idéal pour un pique-nique. Ce panneau indique une chose mal. Au milieu des chemins forestiers brumeux, Amadeus découvrit une clairière magique. Une ancienne magie de montagne. Aucune raison que ça tourne mal. Un compendium de lévitation.
Incroyable. Qui sait quelle splendide construction je pourrais invoquer maintenant? Votre magicien préféré. Que sais-tu d'autre sur ces magiciens, Amadeus? Elga est une grande astronome. Elle aime les gens et aime l'observatoire. Barbara fait de la magie avec les feuilles de thé et les miroirs. Non, elle a l'air d'une menace. Puis il y a Valerius, qui a transformé son ami en pierre, qui s'est ensuite brisé. Valerius est en congé maladie depuis ce jour. Ah, une joyeuse petite bande. Nos héros espéraient obtenir de l'aide à... Alors ça ressemble à ça, un observatoire? Au moins, Dame Aurore n'a pas fait sauter l'endroit. Ah, encore un tour de magicien à l'œuvre. C'est de la recherche de pointe. Ou bien un verrou. Retenez ces malfaits. Je vais m'occuper du magicien fugitif. Le magicien mécanique qui a parlé. Me rappeler quelqu'un. C'est amusant. Je pensais la même chose. Oh, ça me revient. L'automate de tout à l'heure parlait comme Wilhelmina. La grande magicienne de l'Académie Astrale? Oui, c'est ça! Sauf que sa voix n'est pas aussi... métallique. Attention à ces espèces de rayons rouges! Thank you.
Quelle belle pièce! Je crois que ça s'appelle un planétarium. On y projette les étoiles et les planètes au plafond. Ah oui, je vois. Explosez cette ferraille! Barbara, on arrive! Pourquoi l'observatoire est truffé de rayons mortels? Les défenses de la tour ont dû s'activer quand les chevaliers mécaniques ont attaqué. Rayons mortels ou pas, avançons! Nous avons une magicienne à sauver. C'est évident. Un rubis, une émeraude et... Je ne connais pas la troisième pierre. À l'évidence, ce sont des planètes. Ces chevaliers mécaniques sont pétrifiés. Ça, c'est signé Valerius. Heureusement que l'un de ces magiciens sait se défendre. Il pourra peut-être nous aider. Quelqu'un aime jardiner. Encore des planètes. Pourquoi vous mettez couleurs différentes des autres? C'est une représentation fidèle de l'espace. Non, elle... Vous ne pouvez pas comprendre ces concepts académiques.
Barbara, une magicienne de l'observatoire Astra. Dame Aurore enlève tous les magiciens pour leur voler leur pouvoir. C'est ce qu'elle a tenté de nous faire pendant cette fausse cérémonie à l'Académie Astrale. C'est ce qu'elle veut faire en triplé. Et bien, pour nous, ravissons leur juste... voler leur magie, et ils finiront comme Wilhelmina. Margaret et moi ne nous réconcilierons jamais si ça arrive. Les triplés ne sont pas un peu seuls pour que ça leur arrive. Ce ne sont pas de puissants magiciens. Pas encore. Ouais, tu as raison. Et tu ne devrais pas te soucier plus d'eux que de ta relation avec Margaret ? Quoi ? C'est ce que je fais. Mais imaginez la colère de Margaret si je rentrais à la maison sans eux. Ou avec des bouts en moins. D'accord. Regardez ces renards. Ils ont l'air si heureux. Oh, ils sont mimi. Je me demande ce qu'ils peuvent bien tramer. Un trésor, non. Les yeux aiguisés de Soya aperçurent le scintillement d'un coffre mystérieux caché dans un bosquet sur une colline. Il fallait absolument qu'elle découvre ce qu'il renfermait. Va, mon grand. Tu es libre. Merci. Voyons voir ce que ça fait. C'était plutôt intéressant. Cette corde, c'est quelque chose. Un truc utile. Tant que ça nous aide à sortir de ces bois.
Ce village ne demande qu'à être pillé. Pas si vite, bande de voyous. C'est ça, fuyez, lâche. La route du bastion passe à travers ces marais. Pourvu qu'on ne se noie pas. Salut. Vous partez pour une autre aventure? Devine ce que je regarde. Un dernier obstacle se dressait. Dis, Pontius, on doit vraiment traverser ce marais pourri pour atteindre le bastion? Oui, c'est comme ça. On pourrait attention prendre la route. Ce marais semble capable de nous avaler vivants. Ni où nous sommes. Mais c'est Florian Zay, ce monstre de Damoror! On voit beaucoup moins bien d'un coup. Thank you.
les chevaliers mécaniques sont passés par ici. Ils ont volé les pouvoirs de Valerius et ont pétrifié les chevaliers. Comment sauver ce pauvre magicien ? Commençons par trouver la boîte de conserve qui renferme les pouvoirs de Valerius. Le sentier mène à un sanctuaire de chevaliers. Pontius. Quelle terrible aventure jusqu'à présent. Des enfants enlevés, un royaume réduit en poussière. Je me demande ce que ces chevaliers d'antan diraient de ça. Rarement de notre côté. Les morts vivants ne sont pas amicaux d'habitude. D'avancer. Et j'ai un nouveau truc bidule magique sur mon bouclier. Splendide!
Elle s'est transformée en oiseau. Oui, ça lui arrive. C'est pratique. C'est pas une boîte ou une planche, c'est sûr. Que nager dans la boue. Je crois qu'on y est presque. Enfin une bonne nouvelle. Pontius avait hâte de revoir le... Oh. Je me rappelle la première fois qu'on a navigué ici. J'étais enfant et jouais aux mousses sur le bateau de mon père. Un bateau? Tu ne nous as jamais raconté ça, Pontius. Malheureusement, je tombais toujours malade une fois les amarres larguées. Ma sœur a eu le bateau et je suis resté sur la terre ferme. Où j'ai vu mes chevaliers la première fois. Dommage qu'ils soient en ruine. Ces brutes ont fait une très forte impression sur le petit Pontius. Assez ruminé. Venez, il est temps de faire notre propre impression sur ces soldats de plomb. Cet endroit est immense. Ça n'en finit pas. Rien que courir d'un endroit à un autre est un bon entraînement. Comment savoir laquelle de ces monstruosités mécaniques a volé les pouvoirs de Valerius? Continuons à chercher les chevaliers pétrifiés, et on finira par trouver la source. Hors de question.
intéressant petit atelier. Ah, le hangar de l'aéronef. Je ne sais pas si c'est mieux que les aéronefs. Quand ce sera fini, je devrai emmener Margaret en croisière. Pontius avait hâte de revoir le bastion de l'espoir après avoir... Plus de chevaliers pétrifiés. Ça me fait mal, mais... Oh, les pauvres. Armé de ses pouvoirs de voyance. J'ai commencé à compter pour vous. Les triplés et les deux traîtres sont à bord de ce vaisseau. Trouvons un moyen de descendre. Pas de temps à perdre. Mes serviteurs, les voyous de Trine ont attaqué notre vaisseau adoré. Balayez-les par-dessus bord.
Cet aéronef est ridiculement grand. Et fastueux. Voyons où mène cette tâche. Ce truc fonctionne ? Des traces de feu ! Ils étaient... Amadeus s'enfonça profondément dans les entrailles de l'aéronef dans l'espoir de trouver des indices sur le sort de ses trois enfants et de leur ravisseur. C'est de la magie de haut vol. Me revoilà. Alors ? Heureusement que ce vaisseau a été conçu pour flotter dans les airs. On dirait qu'il s'est stabilisé je ne sais comment, mais on dérive sans but maintenant. Oh.
La bonne nouvelle au milieu de tous ces nuages noirs, c'est que les triplés avaient l'air égaux à eux-mêmes. Godric n'a pas encore absorbé leur personnalité pour les enfermer dans ces horribles automates. Oh, ces nuages noirs, oh, c'est une expression. Je croyais qu'une tempête approchait. Je préfère des nuages dorés. Amadeus, tu penses qu'on pourrait tirer quelque chose de ça ? Il faut peut-être réarranger les tuyaux. Ça a marché. Au moins, rien ne s'est cassé. On dirait qu'on est toujours en l'air. Ah, super. C'est encore pire. Mais on n'est pas mort. Allons voir si on peut réparer l'aile. Même les ruines fumantes de l'Académie Astrale ici. Nos héros se lancèrent dans une... Aurore et Godric sont quelque part sur cette île flottante. Ils n'ont pas l'air d'être allés loin. La perspective peut jouer des tours. Ce qui semblait proche vu du ciel peut se révéler être à bonne distance à pied. Nous allons retrouver les triplés. Je redeviendrai un héros et Margaret voudra bien.
Et toutes ces épreuves seront derrière nous. C'est ça. Et le royaume et l'académie astrale seront réparés comme par magie. Et tous les seigneurs, dames et magiciens disparus vont réapparaître d'un coup de baguette magique. D'un point de vue réaliste, je dirais qu'on a environ une chance sur deux que ça finisse bien. Je déteste l'admettre, mais... Lâchez-les immédiatement. Ou bien, on vous combattra. Fort. J'ai une proposition. Nous vous rendons les enfants, vous quittez cet endroit et le royaume, et nous n'en reparlons plus jamais. Les seuls qui vont quitter cet endroit, c'est vous. Pieds et poings liés. Personne n'oserait emprisonner l'héritière légitime du trône. À part les véritables chevaliers du royaume, surtout après ce que vous avez fait au bastion de l'espoir. Godric, votre basilic a échoué et vous l'avez caché. Je ne voulais pas vous décevoir. Comment puis-je élaborer une stratégie si je ne sais pas tout? Éteignez ce truc. Il vous entend. Thank you.
princesse de nouveau. Nos ennemis doivent se cacher quelque part. Et ils ont toujours Julius, Lucius et Agnès. Nous deux. Seul le palais mécanique se dresse. Regardez, je j'ai dépensé toute la fortune familiale pour construire ce palais. La moindre pression sur un bouton commande tous les éléments de mon humble demeure. Un véritable défi. La solution était donc un piège. Le palais est très bien pensé. Regardez, ils ont même des panneaux. Celui-là dit cachot. On devrait commencer par là. Mais quel sympathique petit cachot humide. Je crois que nous avons trouvé toute la magie volée aux étudiants disparus de l'Académie Astrale.
à mes vaisseaux, là. Tant mieux. On pourra rentrer à la maison sans avoir à faire le grand saut. Vous pensez que les pouvoirs de Trine suffiront à nous tirer d'affaire? Ne me dis pas que tu coupes de nous. Je sais qu'on peut échanger de place et ne pas mourir. Mais ça ne rend pas les triplés invulnérables. Il pourrait leur arriver tout un tas de choses absolument horribles. Oh, si seulement Trine était là. Elle pourrait sauver mes enfants. Elle était si gentille et intelligente. Elle saurait quoi faire. Cette pièce est sinistre. De la chasse au trophée. Ce seigneur est une véritable honte. Ces animaux me semblent familiers. C'est parce qu'on a combattu la version mécanique de chaque animal. Ils volent plus que les vies des magiciens pour créer ces machines. Grâce au pouvoir de Trine, tout rentrera bientôt dans l'ordre. Je ne sais pas, Pontius. Les triplés sont encore à la merci d'Aurore et Godric. Nous allons les trouver. Si seulement la vraie Trine était là, elle saurait quoi faire. Préparez-vous, on va leur montrer. À l'heure la plus grave.
mission was parfait.